Ensuite, ce trait-là, normalement, il n'existe pas. Et je vais vous expliquer pourquoi il est là, ce trait. Pourquoi? Parce que si on fait une coupe, comme donc le gabarit n'affiche pas la coupe, soit vous dupliquez votre vue, et du coup, alors vous faites par exemple un plan au rez-de-chaussée travail. Dans lequel vous vous faites pas chier, vous mettez aucun gabarit, par exemple, hein. Ça permet de passer en faisant VV, et def, qu'est-ce que je voulais afficher d'ailleurs, les coupes, c'est la catégorie d'alimentation, les coupes, voilà. Là on affiche les coupes, paf, on se retrouve avec nos coupes. Alors dans l'absolu, tu vois, vous voyez déjà une petite erreur, c'est que là, phase de nouvelle construction. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver le cadre. Comme ça, on va tout sélectionner. Il veut pas tout sélectionner. Ça lui plaît pas de tout sélectionner. Et ça ne marche pas. Parce qu'après, on peut utiliser les filtres, par exemple. Ne rien sélectionner. Bon, les cotes, on s'en fout. Les éléments de détail, on s'en fout pas. Y a une solution. Voilà, on pourrait cocher les trucs qu'on veut, qu'on est sûr que c'est phasable. C'est-à-dire qu'on peut les mettre dans une phase. Ce qu'on peut faire, plutôt, moi, ce que je fais, c'est que je sélectionne toutes les occurrences visibles dans la vue, boum. C'est pas du tout une nouvelle construction, c'est de l'existant. Et ensuite, je le masque. Là, je sélectionne toutes les vues visibles dans la vue. Je mets en existant, je masque. Donc, il y a encore deux petites choses que je veux faire. Donc, c'est organiser un peu mon dossier pour que ce soit plus propre. Moi, ce que je veux organiser, c'est mon dossier. Je veux avoir par dossier, en fait, des dossiers de travail, des dossiers d'impression, par exemple. Je vais faire un nouveau. Je vais faire un truc qu'on va appeler dossier. Par dossier, parce que je veux organiser par dossier. OK. Et là, regroupement par tri, on n'a rien qui nous permet de choisir quel dossier c'est. Donc, OK. Donc, ça ne me va pas. Donc, il va falloir créer un paramètre du projet. On va appeler dossier vue. C'est le dossier des vues, parce qu'on va créer aussi un dossier plus tard pour les feuilles de rendu. Donc c'est pas une longueur, c'est un texte. Moi je le mets dans données d'identification, j'aime bien. En fait c'est le là où ça va, sous quel onglet ça va se classer. Ouais, ou sous l'onglet texte. Ouais, c'était sous l'onglet texte. C'est très bien comme ça. Donc, occurrence, c'est bon. On est bien en vue. Dossier vue. OK. Donc là, si je vais dans mes plans d'étage, si je regarde sur mon rez-de-chaussée, mon dossier vue, il est grisé. Je peux rien lui dire. Je peux pas dire c'est tel dossier. Par contre, pourquoi? Parce que si je vais sur mon dossier travail, vous voyez que le dossier vue, là, je peux écrire, par exemple, un dossier. Écrire que je suis dans le dossier travail. Voilà. Et pourquoi je peux pas? Parce que, hop là, on va afficher un petit peu tout ça. Pourquoi je peux pas? Parce que c'est dans le gabarit qu'il faut changer ça. Voilà, voilà. Donc, dans le gabarit, j'ai mon dossier vu. Et là, c'est pas le dossier travail, ça va être le dossier, comment on va l'appeler? Dossier A3. Dossier rendu. Ça se comprend bien. OK. Et là, et pour l'instant, ça n'a rien changé. On a tout qui est pareil. Par contre, si je vais dans mon organisation par dossier, que j'édite mon truc parce que je ne l'avais pas tout à l'heure, je mets en premier lieu, je veux qu'on organise par dossier vue. Et ensuite, je veux aussi qu'on organise par phase. Donc, on va faire l'inverse. On va d'abord faire par phase. Voilà, ça, c'est des choix, prends-vous. Et ensuite, par dossier vue. Boum, boum. Par contre, ouais. Donc, pour l'instant, j'ai qu'une seule phase. Et dans cette phase-là, j'ai un dossier rendu et un dossier travail. Bon, pour l'instant, on ne peut pas avoir deux choses avec le même nom, donc c'est pour ça que je suis obligé de le rappeler, le renommer rez-de-chaussée travail. Et sinon, ce que je peux faire déjà, c'est prendre tous ces trucs-là et ben, je suis baisé parce que du coup, c'est dans le gabarit qu'il faut le changer. Alors ça, c'est, il n'y a pas de gabarit, donc on peut. Là, après, on peut choisir. Non, rendu ou travail, ça, c'est plutôt de travail. Ça, par contre, il doit y avoir un gabarit dessus. Donc, on va dire que c'est dans le dossier rendu. Comme ça, j'ai toutes mes coupes qui sont dans rendu. Ça, il n'y a pas de gabarit dessus. On va lui mettre un gabarit. Modifier.
On va mettre ce gabarit là, appliquer. Voilà, là par contre, plan masse, plan de faux plafond, j'ai pas besoin de plan de faux plafond pour l'instant. On les recréera plus tard. Le dossier 3D, je vais le mettre dans le dossier travail. Et au moment où on aura besoin de faire une belle image mise en page, on fera une duplicata. Et le plan masse, est-ce qu'il a un gabarit? Il n'a pas de gabarit. Mais par contre, il faudra créer un gabarit plan masse. Pour l'instant, on va faire ce gabarit-là. On va l'appeler GA plan masse. Parce que souvent, on a besoin d'un gabarit différent du plan normal pour faire un plan masse. OK. Et il est dans le dossier rendu. Ça me va très bien. Donc là, en fait, on a un dossier rendu, un dossier travail. Si, par exemple, j'ai besoin de travailler sur ma toiture, je duplique ma vue. Ce que je fais, c'est que je dégage pour pas être emmerdé et puis avoir tout ce que je veux. Je dégage mon gabarit de vue et je me mets pas en rendu, je me mets en travail. Voilà, il faut le renommer parce que là, le nom, il est merdique. Et je l'appelle toiture travail. Voilà, ça a été un petit peu fait à l'arrache. C'est pour montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, vous aurez remarqué que c'est dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse? Parce que tout à l'heure, on a changé de phase. Mais, dans quelle phase que c'est qu'on est? On est dans la phase nouvelle construction. C'est pour ça que ça merdouille. Parce qu'en fait, là, on a affiché tout. Si je faisais juste la nouvelle, vous voyez, il n'y a rien du tout dedans. Pourquoi? Parce que, en fait, on n'est pas dans la bonne phase. C'est pour ça que ça merdouille au niveau de l'affichage. Ce qu'il va falloir faire, pour l'instant, je suis en existant. Boum. Là, donc, j'ai tout. Voilà, tout. Là, on est en existant. Bon, pour l'instant, j'ai aussi ça qui n'est pas en existant. Mais on va le mettre en existant. Voilà. Donc pour l'instant, je suis en fin d'existence. Le jour où on voudra faire des modifications, je vous montrerai comment on fait. Il faut démolir, il faut créer une nouvelle phase, tout ça. Bon, là, ça s'affiche un peu mieux. Et dernière petite chose, c'est ce truc-là, je voulais vous montrer. J'ai même fait ma coupe depuis 3 plombes. J'ai fait ma coupe pour ça. Je voulais vous montrer pourquoi. Là, c'est aussi une question d'organisation que je n'avais pas du tout à l'époque. Donc, je me mets sur mon niveau de travail et on peut faire clic droit dessus et puis aller à la vue. C'est très pratique. Je le fais souvent. Là, j'ai mis l'affichage en noir des murs. Pour avoir l'affichage des murs en noir, il suffit en fait d'aller dans ses propriétés de mur, modifier le type et de mettre remplissage de solide. En gros, c'est des hachures unies. Et de lui dire qu'on veut du noir. Si on veut du rouge, je ne sais pas pour quelle raison je veux mes murs en rouge, ça va être très beau. Là, c'est pas un mur, c'était un plancher, mais c'est valable pour les murs. Voilà, on peut choisir la couleur de remplissage. Ça permet d'avoir un pochage sur les murs, que dès qu'on passe en moyen, en fait, on va voir les différentes couches et tout. Voilà, vous voyez, par exemple, là, ça, c'est pas très beau. Il faut d'abord ajuster. Enfin, il faut attacher les murs ensemble. Voilà, bon, c'est assez embêtant. Alors, il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est que... Voilà, c'est ça qui se passe. Je vais vous montrer. Je me doutais que c'était ça. Normalement, il n'y a pas ce trait-là au niveau du sol. Ça, c'est une ouverture dans le mur. C'est-à-dire que on a un mur. On dit qu'on veut faire une ouverture dans un mur. Voilà, il suffit de créer une ouverture dans un mur. L'avantage, c'est qu'après, on peut la supprimer. Hein? Bon, ça évite d'avoir 36 murs. Parce que sinon, si on avait fait un mur ici, après en plus une poutre au-dessus ou un morceau de mur au-dessus, c'est chiant. Par contre, là, il y a un souci, c'est qu'il ne devrait pas y avoir les traits. Parce qu'en réalité, mon mur, il va jusqu'au sol. Enfin, mon ouverture va jusqu'au sol. On ne devrait pas l'avoir. Donc, je fais aller à la vue. Et là, en fait, on voit pourquoi. En fait, c'est pas mon trou qu'on voit, c'est le mur qui va jusqu'en haut. Donc il y a plusieurs solutions. Soit vous attachez. Si vous attachez le mur, en fin de compte, vous allez voir, c'est parfait. Sauf que c'est chiant, parce qu'il faut le faire sur tous les murs, il faut attacher à chaque fois. Après, l'autre solution, toute bête, c'est de faire aller le mur, on va dire, en dessous. Voilà. Mais s'il faut prendre tous les murs, dire, voilà. Parce que là, en gros, il faut prendre l'épaisseur de sa dalle. On sait que sa dalle donc fait 25, il suffit d'aller sur son mur et dire au mur décalage supérieur moins 25 parce qu'on a vu que c'était une dalle de 25. Et là, voilà, mais alors faut prendre tous ces murs, machin, truc chouette, et si jamais on change de dalle, faut tout changer, c'est chiant. Donc nous ce qu'on fait, on va décocher le truc de machin, on va agrandir un peu notre cadre, j'affiche mes niveaux. Et je l'avais créé en fait, hein, mais normalement, donc ce qu'on fait en fait, nous,
Donc là, je l'aligne à moins 25, c'est-à-dire sous ma dalle. Je vais en avoir un ici aussi. Et alors ça, c'est chiant. On va remettre ça proprement au bon endroit. Ce sera un petit peu mieux. Bon, tout ça, ce sera paramétré. Là, voilà. Je l'avais créé sur celui-là, par exemple. On va l'appeler niveau 0 HSD. Et là, par exemple, on va l'appeler N-1, c'est-à-dire le niveau moins 1 à hauteur sous dalle. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner tous mes murs. Bon, je pourrais me mettre dans une vue de sous-sol ou une vue qui passe ici. Alors après, il y aura une petite astuce. Pourquoi pas, je vais vous montrer ça rapidement. Pour justement prendre que ces murs-là, vous allez voir. Mais l'astuce, que j'ai piqué à Rémi d'ailleurs, c'est de faire une vue temporaire. Donc c'est de faire une zone de plan de coupe. Et dans ce plan de coupe, on modifie et on se met au niveau 0, moins 1. Donc c'est-à-dire que en fait là on va couper à moins. Voilà, et là du coup en fait on voit automatiquement, on va voir les murs qui passent à moins 1. Alors le risque c'est que celui-ci, vous voyez, qui va jusqu'au niveau 0, donc c'est bon. Niveau 0. Voilà, faut faire gaffe que ce soit pas un mur qui aille jusqu'au niveau 1, par exemple. Là, c'est bien des murs entre guillemets, on va appeler ça de fondation. Voilà. Et là, on a bien que des murs, on n'a pas de mur qui monte. Donc, au lieu de lui dire qu'il monte jusqu'au niveau 0 rez-de-chaussée, on va lui dire qu'il monte jusqu'au niveau moins 1 HSD, qui correspond à mon truc de soudal. Bon, là, il fait la gueule, je sais pas pourquoi. Mais je m'en fous. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut supprimer le truc. Et vous voyez que mon truc, il a disparu. Il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce que si je regarde en coupe, tous mes murs vont sous la dalle. Et si jamais on change d'épaisseur de dalle, je ne sais pas pour quelle raison on a envie de sang. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Disons que j'ai envie d'en faire tout mon plancher. On a envie de passer en 200. Et bah, il suffit, plutôt que de reprendre tous les murs, de se faire chier, il suffit. Alors, on pourrait presque attacher. Voilà. Comme ça, si jamais on change la dalle, en fait, je vais dire, oh, mais non, ma dalle, c'est bien une 250, je suis con. Boum, ça marche pas. Je vois pas trop ce que c'est, ce truc, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je sais pas. On étudiera ça plus tard. Voilà, bah, il y a des choses encore à régler. Ça, c'est la dalle de plancher. Voilà. Bon, bah, ce sera dans un prochain épisode. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses déjà à régler sur la maquette avant de commencer les modifications. Pour vous donner une petite idée des modifications, voilà, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Hein, très rapidement. On va commencer par faire ça, je pense. Boum. 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 Paf. Filtre. Ne rien sélectionner. Mur. Hop. Ok, on sélectionne que les murs. Et qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Qu'est-ce qu'on va faire? Phase de démolition, nouvelle construction. Boum. Bon, là, on est dans l'existant. Enfin, il va falloir dupliquer mon rez-de-chaussée, par exemple, de travail. Ou on va d'abord dupliquer celui-là. Je m'en fous des détails. On va le renommer. J'ai rendu. Voilà, c'est pas comme ça que je fais d'habitude, mais je suis en train d'inventer en même temps. Enfin, d'inventer, de réfléchir en même temps. Et ce sera dans la phase nouvelle construction. Voilà. Et dans la nouvelle construction, vous voyez que là, on aura tous ces murs-là qui seront démolis. Alors moi, je filtre des phases, je crois, c'est ça. Je veux pas qu'ils soient en un fichier tout, je veux qu'ils soient en... Et on réglera ça, voilà. Donc je démolis tout. Allez, soyons fous, on démolit ça dans la nouvelle construction. Ça, j'en veux pas non plus. Je veux pas de toi. Oh, c'est chiant d'être obligé de scroller tout le temps. Voilà, et je veux que ce soit démoli à la nouvelle construction. Bon, il y aura un petit truc à récupérer ici parce qu'il faut faire une coupe avant de démolir. C'est quelque chose qu'on... Bah, allez, on va le régler tout de suite. Mais après, promis, faut vraiment arrêter. Parce qu'en fait, voilà, le mur, pour l'instant, il tire tout droit. On va couper. Tout de suite, détache. Je m'en fiche complètement que ça me dérange pas que tu te détaches. Je te l'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà. Bon, il y a une petite merdouille encore. Voilà.
Ça, c'est propre. Là, c'est déjà mieux. Et là, l'avantage, en fait, c'est que quand je vais aller dans mon projet rendu, voilà, c'est que je vais pouvoir lui dire de ne pas démolir cette partie-là. Tout ça, ça a été... Alors, c'est chiant de scroller tout le temps. Donc, ça, c'est la partie existante qui est démolie en nouvelle console. Je veux qu'elle soit pas démolie. Aucune démolition. Voilà. Bon, là, je lui ai demandé aucune démolition. Puis ça non plus. Non, je veux pas que tu me démolisses ma fenêtre. Mais non, je la garde, ma fenêtre. Je la garde. Je sais pas si on fera des variantes. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet d'avoir plusieurs versions d'un projet. Donc la prochaine fois, on se barrera là-dessus. Enfin non, pas tout de suite, tout de suite. Hein. Il y a encore plein, plein de choses à corriger. On va essayer d'avoir un modèle propre qui ressemble à quelque chose. Parce que là, pour l'instant, ça ressemble absolument à rien. Hein. Pourquoi? Voilà, parce que forcément, moi, voyez, ça c'est à corriger, on le corrigera. Je pense que vous avez peut-être deviné pourquoi. C'est plutôt pas mal de partir d'un mauvais modèle. J'ai perdu ma cheminée. Elle a fait... Ça nous permet de corriger les choses sans être obligé de tout refaire de A à Z. Le but, c'est quand même d'avancer sur le petit projet. Après, on n'aura pas besoin de se mettre une fenêtre ici. On va peut-être faire une extension ici. On va peut-être voir si on peut faire une extension ici. Et puis après, on partira, tirera dans des délires de creusement du sous-sol, des choses comme ça. Tiens, j'avais une fenêtre ici. Elle y était. Vraiment, je vais vous montrer comment la récupérer d'un ancien fichier. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Tous les gens. Allez, abonnez-vous, pensez à mettre le petit pouce bleu. On se revoit au prochain épisode. Allez, ciao, bye bye.